Et c'est parti. Not Gonna Lie Podcast, épisode 22. Aujourd'hui, c'est... Oh my God. Aujourd'hui, je sais vraiment pas où est-ce qu'on va aller parce que là, j'ai pris de l'huile là. Puis là, je trouvais que ça marchait pas, fait que j'en ai pris ben trop là. Puis là, je suis défoncé. Fait que je vais mettre les stick-it devant le temps, puis on va juste se laisser aller. Je sais même pas de quoi qu'on va parler. Mais oui, une chose que je sais de quoi qu'on va parler, c'est que je trouve que j'ai recommencé à slacker. Tu sais, quand je disais que je voulais comme me servir du podcast, du fait que je veux. Il faudrait que tout ce que je fais dans la vie, je sois capable de le dire à tout le monde. Comme ça, c'est sûr que c'est chill, tu comprends? Puis là, j'étais en train d'organiser une soirée avec des amis chez nous. Puis, dans le fond, j'ai demandé à mon propriétaire si ça y dérangeait, puis il m'a dit que oui. Puis là, j'ai trouvé comme une manière de quand même débarrer les autres portes, en tout cas, whatever. Puis là, j'étais en train de refaire ça. Mais c'est exactement ça les affaires que je veux pas faire. Yes. Parce que une bonne personne, ça fait pas ça. Fac, j'ai écrit à mes amis et on ne fera pas la soirée chez nous. Donc, je. Un point positif dans être une bonne personne. Yes! Puis sinon, à part de tout ça, l'autre affaire que j'ai réalisée, que j'ai slacké aussi, c'est que je trouve que côté effort, je suis quand même retourné sur le cruise control. Fait que. J'ai l'air de dire. Je dis aux gens que je travaille plus fort que ce que je fais pour vrai. J'ai l'impression que je fais ça. Un peu. Fac, si je me sens comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrête de faire. Soit qu'il faut que j'augmente le niveau de travail que je fais en ce moment, genre vraiment les efforts que je fais, ou il faut que j'arrête de dire au monde que je suis comme, oh ouais, je me force tellement. Je me force, je sais que je me force, mais je préfère vraiment plus que ça. Fait que c'est ça. Wow! Comme là aujourd'hui, là, je vais l'avouer, là, j'ai absolument rien calissé. Une belle journée pas productive, pantoute. À part, est-ce que c'était complètement pas productif? On sait pas, parce que j'ai appris à jouer au poker. Ouais, parce que là, demain, j'ai un tournoi de poker. Sur PokerStars. Puis il faut que je sois bon. Fait que le fait que je me sois entraîné aujourd'hui, peut-être que c'était bon, parce que ça peut être payant. Parce que j'ai payé pour rentrer dans ce tournoi-là. Peut-être pas le meilleur investissement, vous me direz, mais ça va être le fun. Fac, c'est ça. Fac, le fait que je m'entraîne le plus que je peux, peut-être que ça vaut la peine. On verra. Fac, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai commencé à jouer. Ah, j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures.
Et des heures, et des heures, et des heures. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Ah non, j'ai passé du temps aussi à essayer de trouver comment. Hey, honnêtement, là, je suis là. Quand je suis déterminé à faire quelque chose, là, je deviens là une machine, là. Comme en ce moment, là, ce que je fais, là, de me coller sur ça, je trouve ça fort. Props à moi, yes sir. Mais là, tantôt, là, quand je voulais comme quand même faire mon party, même si mon... Parce que dans le fond, ok, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que chez nous, il y a vraiment plein de chambres. Comme... ah, pourquoi je fais tout le temps ça? Qu'est-ce que je dis? Oh non, qu'est-ce que je dis? Oh oui, c'est ça! Oui, c'est ça. Fait que là, parce que je voulais. Ok, c'est ça, chez nous, il y a plein de chambres. Puis là, dans les chambres, il y a plein de lits. Fait que là, tu sais, si tu fais un party chez vous le 31 décembre, ben là, personne n'a besoin de reconduire chez eux. Ils peuvent tous dormir chez toi. Sauf que là, la dernière fois que mon proprio y est venu, il a barré toutes les portes. Fait que là, j'y ai écrit, j'y ai demandé, ah, oh, ça te dérange-tu de me donner, mettons, les codes pour blablabla, pour que je puisse débarrer les portes juste pour ça, mais qu'après ça, je vais laver toutes les lits, tu sais, j'aurais tout mis clean après. Puis là, il m'a dit non. Puis là, j'étais comme, ah, oh, là, j'étais off. Mais fait que là, je suis allé trouver. My God, j'ai fait des recherches internet, j'ai cherché les recoins du dark web pour trouver une faiblesse qu'il y a à propos de ce système de serrure-là sur les portes. Fait que là, j'ai hacké le système des portes. Puis là, je pouvais toutes les ouvrir. Je suis capable d'ouvrir toutes les portes. Je suis un ninja. Puis là, je voulais utiliser ça à mon avantage, mais mais ça, c'est les méchants qui font ça. Ça, c'est les personnes qui sont pas honnêtes. Genre, si je racontais mon plan à ma sœur, elle me dirait non, c'est un plan de marde. Puis ma sœur, ça la fâche que j'écoute pas ses... Ma sœur, ça la fâche que j'écoute pas ses conseils. Fait que là, je vais écouter son conseil qu'elle a même pas à me donner parce que je sais déjà que ça serait ça son conseil. Ça, c'est fort. What? I don't have Fait que ça, c'était mon coloc qui est venu me demander si j'avais du tape, mais j'en ai pas de tape. Fait que c'est ça, je me rappelle plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, c'est ça. Fait que, tiens, ma soeur, j'ai écouté ton conseil. Props. Part de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai eu une méga. J'ai eu une bonne conversation avec une personne avec qui j'ai été méchant. Puis là, les affaires sont étaient pas nécessairement réglées là, mais on a eu comme une conversation hein, agréable. En tout cas, je pense, moi de mon bord, c'était chill. Peut-être que j'ai vraiment misread la situation. Fuck. En tout cas, non, j'ai pas misread la situation, c'était chill. Mais fait que ça, c'était nice. Yes! Yes! Est-ce que c'est ça le but du fait de faire un podcast comme ça? Yes! Est-ce que je me vante d'avoir réussi? Yes, mais c'est pas grave parce que j'ai réussi pas vrai. Yes! Ah non, ça avait l'air de me vanter. Je me vante pas. Ben oui, je me vante un peu, mais je suis quand même content que le fait de vraiment me forcer pour être une meilleure personne, ça marche, puis que ça rend les affaires mieux. C'est ça que je veux dire. Yes. fait que. Hey! Oh my god! Le dernier épisode, là, hier, là, c'était vraiment pas un bon épisode, j'ai l'impression. Là, j'avais tellement de notes, mais des affaires que j'ai notées qui étaient complètement Sérieux, je comprenais même pas la moitié des affaires que je m'étais laissées. J'étais genre, ah, oh, ça, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? T'sais,
C'est de la merde. C'est pour ça que des fois, j'aime pas ça avoir des notes. Oh, pis là, faut que tu dises un. Là, faut que tu dises un potin. Oh. Moi, j'en viens d'en dire un potin, mais je viens juste comme de me m'auto-stouler pour dans le futur. Mais je le ferai pas. Justement. Fuck. Mais c'est ça. Hey, pis il était poche. Mais il y a eu 4 vues. Il y a 4 personnes qui l'ont écouté. D'habitude, en 24 heures, à chaque jour. Puis je suis conscient que là, tu sais, c'est parce que c'est les fêtes, là, les gens, ils ont pas les mêmes routines que d'habitude. Je comprends ça. Mais habituellement, en une journée, il y a genre 40 à 50 vues. À peu près. Puis là, il y en avait 4. Fait que c'est bon parce qu'il y a juste 4 personnes qui ont écouté cet épisode de sauce. Mais en même temps, t'es comme, oh my god, il y a juste 4. Mais c'est pas grave. Ça va arriver des fois. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Hey, ouais, c'est ça. Demain, c'est ça. J'ai arrêté de. J'ai clairement arrêté de me servir de ma to-do list. J'ai fait plus à chaque jour mes affaires. Fait que c'est pour ça que les affaires y ralentissent. Et voilà! Parce que j'ai arrêté de faire des tâches à chaque jour, comme j'ai fait au début, puis ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Là, j'ai arrêté de faire ça. J'ai même commencé à être un peu plus sloppy. Ma chambre est en fucking bordel. Il y a des verres qui traînent que je ne vais pas porter à chaque jour. Oh! Hey, on se catch en train d'être sloppy. Stack, une petite tape sur la main. Ow! Et voilà! On repart de plus belle. Je suis fou. Qu'est-ce que je dis? Oh my god. Ah, hier, j'ai essayé de faire de la méditation pour dormir, là. Qu'est-ce que je suis pas bon pour faire de la méditation? Ou c'est peut-être mon programme qui est pas bon, l'application. Je sais pas c'est quoi l'affaire, là. Je suis des affaires pour m'endormir. La fille, elle me parle, elle me dit de faire des affaires pour comme relaxer puis m'endormir. Puis là, je suis là, oh, là, je suis qu'est-ce qu'elle me dit. Puis je suis comme, oh, ça marche, là. Je sens que je suis comme en train de m'endormir. Puis là, un moment donné, elle me dit, bonne nuit. Merci d'avoir participé à mon shit. Puis là, je suis là. Mais là, ok, fait que là, je. Fait que là, c'est fini. Fait que là, ça pète tellement mon vibe qu'elles me disent, ah bon, on a fini. Puis que là, si je veux comme continuer d'être comme dans la transe que elle me mettait un peu dedans qui m'amenait à m'endormir, faut que je me comme réveille de mon shit pour aller pogner mon sel puis refaire play sur une autre affaire. Puis je peux pas juste mettons taper ou rien, là. Faut que je comme fasse un X, non, ok, changer de gna. Tu sais, ça prend un peu de focus, qui fait juste que je me réveille assez, puis l'autre shit part, puis là je me recouche, mais tu sais, c'est. Et voilà, c'est reparti à zéro! C'est de la merde! Je comprends pas comment on fait pour s'endormir quand nos yeux ils brûlent pas. C'est ça mon problème dans la vie. Moi là, si mes yeux ils brûlent pas là, je suis pas capable de m'endormir. Si j'écoute, s'il y a un. Hey, même si toutes les lumières sont fermées, là, je te jure, je vais attendre de même une demi-heure, là, il va rien se passer. Je vais tourner, là. Tu sais, des fois, je vais comme tomber, je vais somnoler un peu, mais. Je sais pas, il va se passer de quoi, je vais me réveiller, hein? Je te dis. Oui, je m'endors pas. Vraiment. Ah, c'est-tu whack, les gens qui se vantent de leur. C'est-tu fucking bêta de. Te vanter de à quel point t'as pas besoin de sommeil. Tu sais, je faisais un peu ça en ce moment. Même pas nécessairement que je dis que j'ai pas besoin de sommeil. C'est juste que j'ai vraiment de la misère à m'endormir. Mais tout le temps. T'sais. Mais.
Pourquoi c'est genre considéré nice de pas beaucoup dormir? Tu sais, quand t'es un. Pourquoi tous les papas, là, ou tu sais, ben, peut-être pas toutes, là, mais tu sais, les papas, c'est genre, ouais, moi, je me suis levé à 4 h du matin. Moi, 4 h du matin, peut-être pas. La fin de semaine, c'est un samedi. Oh, ouais, ben, moi, je suis pas 4 h du matin, tu sais, moi, il me réveille tellement tout le temps à 4 h du matin que. C'est mon horloge, en dedans de moi, il me réveille à 4 h du matin. Non, dude. Tu te réveilles à 4 h du matin parce que tu te couches à 8 h le soir. Mais t'es ta retraite! Arrête de faire ça! Couche-toi tard, trip, brosse, esti, pis. Lève-toi à 9 h, 10 h, 11 h, t'as rien à colisser! Je sais pas pourquoi tout le monde se vante. Pourquoi c'est hot de pas beaucoup dormir? Hein? C'est bizarre ça, hein? Tu sais, mettons quelqu'un qui se réveille et dit « Ah, oh, wow, j'ai tellement bien dormi, là, 12 heures, là. Hey, je suis prête, là. Yes! Let's go, c'est parti, man. On va avoir une belle journée. Non, 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 non. » Puis quelqu'un dit « Oh, en tout cas, il y en a qui font la grosse matinée. » So what, bitch? Toi, peut-être que tu vas avoir plus de temps dans la journée, là, mais moi, quand toi, tu vas être rendu crissement fatigué, ben moi, je vais avoir encore envie de triper. Puis je vais encore avoir du fun. C'est pas parce que c'est la nuit qu'il n'y a pas de fun. Pourquoi ton cycle à toi, c'est le bon cycle? Ou pourquoi à me forcer à être fatigué, de plus en plus fatigué à chaque jour, juste parce que, oh, ben là. Moi, je me lève à 5 h. Fait que je me couche à 1 h ou que je me couche à 9 h, je me lève à 5 h. Ok, fait que si tu te couches à 1 h 3 soirs de suite, tu vas toujours rouler sur 4 h par nuit? What the fuck? Ça a pas rapport, en tout cas. Pourquoi je bug là-dessus? Je sais pas. On s'en calisse. Oh, ben oui, on s'en fout, mais dans le fond, on savait un peu que c'est là qu'on s'en allait avec cette affaire-là. Et boy! Hey, j'ai soif, mais je me suis amené. Oh! D'un fois, là. Oh! Maintenant, je le sais que ça prend de l'eau. Ouais, fait que c'est ça, man. Oh, hey, tantôt mon sel, il arrêtait pas de sonner, là. Oups, hey, j'arrête pas de vous crisser des coups. Puis là, ça me déconcentrait, là. Je vais aller voir c'est quoi qui est. Ah, c'est bon, une personne que j'avais invitée me dit qu'il veut pas venir. Puis là, je vais aller voir qu'est-ce que mes amis ont répondu au fait que je leur dise que je cancelle. Oh my god, ils sont tellement gentils. Ok. J'ai dit, hey guys, ça c'était avant le podcast, je vous jure, ok? J'ai écrit ça à 10 h 55. Puis j'ai commencé le podcast à peu près 11 h. Je dis, hey guys, à bien y penser, je pense que j'aimerais mieux ça, pas faire ça ici. Je pense. Attends. Hey guys, à bien y penser, je pense que j'aimerais mieux ça, pas faire ça ici, finalement. Hey my god! Comment? Mais ok, mais j'étais pas mal buzzé, mais là, en le relisant, là, ouf! Pas la phrase la mieux construite au monde, on va se le dire. Après ça, c'est exactement des niaiseries de même que j'essaye de plus faire. Et bam, bam, bam! Puis là, ben, mes amis ont dit, c'est bien correct, Ali. On fait ça ici. Un de mes amis a dit qu'on faisait ça chez lui à la place. Fait que je vais quand même briser la loi, mais pas chez nous.
Ou est-ce que j'ai dit à mon proprio que je le ferais pas? Puis après ça, ben c'est tout. Ils ont tout de suite passé à autre chose, comme s'il n'y avait aucun trouble, parce que justement, il n'y avait aucun trouble. Wow, mes amis sont vraiment sacoches. Plus que les tiens, probablement. Puis là, ils ont juste posté une photo qui dit: Est-ce qu'une femme enceinte peut nager? Entre guillemets, je suis un homme, donc je ne sais pas. Est-il possible pour une femme enceinte de nager sans noyer le bébé? Comment le bébé peut-il respirer si le vagin est sous l'eau? La femme doit-elle garder le vagin hors de l'eau pour que le bébé puisse nager à travers le Impossible. Ok, mais attends, qu'est-ce qu'on répond? Ok, attends. Il dit, je veux une réponse élaborée. Est-ce qu'une femme enceinte peut nager? Donc, selon moi. Selon moi, une. Je vis pour ces choses comme ça. Une femme enceinte peut nager. Comme elle le veut. Comme elle le veut. Puisque. Puisque. Son utérus est hermétique, je pense. Ou peut-être. Attends, on fait trop petit sur point. Ou peut-être que le. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle cette affaire-là? Ou peut-être que la l'affaire là, le placenta là, comment ça s'appelle cette affaire-là? Fuck, faut que j'aille le googler. Man, je suis tellement épais, je le sais c'est quoi normalement ce mot-là. Qu'est-ce que le placenta? Et attends, il se fait exactement durant la grossesse, retirer le développement du fœtus et... Ah, ben c'est ça! Ah, ok, ben je l'avais. Mais je pensais que c'est... Ah, ok. Je pensais que ça avait un autre nom. Aïe, aïe! Fuck! Hey, je sais pas, ça faisait combien de temps que je parlais là, pis ça enregistrait plus, ça l'a fucké ben raide! Ben en tout cas, j'ai fini par envoyer le texte, je vais vous le relire là, mais. Hey, ça a été tout un événement à se rendre jusque-là! Fuck! Ok, donc ma réponse c'était: Selon moi, une femme enceinte peut nager comme elle le veut, puisque le bébé respire à travers le cordon ombilical et donc ne risque pas de se noyer. Et de toute façon, l'eau n'atteint même pas l'utérus. Merci, au revoir. Et ensuite. Max, il dit, professionnel de la santé, Maxime, il faut prendre en considération que l'eau est souvent oxygénée. Une fois le vagin passe sous l'eau de façon naturelle, le gras du vagin suit l'oxygène au détriment des poissons. Lui, il disait de la sauce. Moi, j'ai essayé d'être genre. Je le sais, c'est quoi la vérité? Ok, attendez. Professionnel de la santé, Maxime. Il faut prendre en considération que l'eau est souvent oxygénée. Une fois le vagin passé sous l'eau, de façon naturelle, le gras du vagin suit l'oxygène au détriment des poissons. L'équilibre arrive quand les vagins bouffent aussi les poissons. C'est la vie, les boys, c'est la vie. Oh my god! La raison pourquoi c'est autant drôle que ça, c'est parce que... Essayer de mettre tous ces mots-là, quelqu'un te demande comment
Pourquoi de l'eau et pourquoi c'est correct qu'une femme enceinte. Est-ce que en fait c'est correct qu'une femme enceinte nage? Est-ce que ça peut comme noyer le bébé? Puis là, moi, j'ai essayé de donner comme la vraie réponse, mais que lui, la réponse qu'il a donnée, là, tout ça, il vient de. Il vient de. Waouh, c'était malade, man. Max, c'était malade, Hey, j'ai hâte de te revoir sur le podcast, Max. Là, c'est poche que l'épisode 3. Fuck! Oh non, hey, non, on a eu une conversation une fois. Yes, hey, j'ai hâte de te reparler. On en refait un bientôt. Ah, oh, ben c'est sûr. Ah, oh, au jour de l'an. Boum! Et voilà. Jour de l'an. Fait que jeudi, j'amène tout le setup et on fait un podcast. Puis là maintenant, on n'a pas le choix de le faire parce que je l'ai dit à tout le monde. J'espère que la police de Montréal n'écoute pas mon podcast. Fait qu'écoutez, on s'en sort pas si pire que ça. Je sais même pas si c'était bon. Je suis pas capable d'être conscient si ce que je viens de dire c'était drôle ou pas drôle, mais. Colin de Bin, j'ai hâte de faire ma chambre. Là, je suis redevenu parano avec ça. Yes! C'était nice quand j'étais parano avec ça. Je m'entraînais à chaque jour. Là, faut que je redevienne parano. Suivre la to-do list. Faut que je la regarde à tous les jours. Là, aujourd'hui, je l'ai même pas regardé une fois. Je me suis dit, oh. Ah, si que j'étais fif! Ah, si que j'étais fif! Je me suis réveillé. Ah, je me suis rendormi. Je me suis réveillé. Je me suis rendormi. Je me suis fini par me lever à midi. J'étais allé prendre ma douche. Je m'étais promis que j'allais faire plein d'affaires aujourd'hui. J'ai à rien calissé. Là, demain, je le fucking fais, man. Pas le choix. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. Je suis quand même content. Si t'es encore. Hey, là, il y a eu 4 personnes qui ont écouté, là. Peut-être personne qui serait en seul, là. Fait qu'on. Je vais. Hey, en passant, là, allez chier, Calis. À chaque fois, il y a tout. Vous me dites, OK. Il y a plein de monde à qui je parle. Okay? Le fait de faire ce podcast-là, ça fait que je parle à vraiment plus de monde qui me dit presque, puis que tout le monde me dit, tout le monde me dit, oh, mais c'est parce que là, tu sais, j'ai peur d'avoir l'air nowhere. Non! T'es pas nowhere! Quand je demande de m'envoyer un emoji si t'as écouté quelque chose, c'est parce que je suis self-conscious et j'ai peur que personne m'écoute. Fac. Là, envoie-moi. Puis il y a Vincent Rollin qui le fait tout le temps en commentaire. C'est chill, c'est direct dans la vidéo. Ou sinon, en DMs ou en n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Ça va être mon 10e plus recent. 10e, c'est quand même épeurant. Je sais pas c'est quoi les niaiseries que je peux avoir mis là. 1, 2, on attend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Envoyez-moi le bonhomme qui pleure. Mais tu sais que quand il pleure, c'est deux. Il y a du monde qui le met des fois quand il pleure de rire, puis des fois c'est du monde qui sont vraiment tristes. Mais tu sais, c'est comme quand. C'est pas des gouttes, là. Il y a genre deux rivières en dessous de chaque yeux, là. Mais la forme de son visage, c'est pas assez clair s'il est heureux ou triste. Fait que envoyez-moi ça si vous êtes rendu aussi loin que ça. Parce que yo, hey! Je pense que j'en ai jamais reçu plus que un ou deux. Fait que c'est ça. Bonhomme qui pleure avec les rivières. Merci d'avoir écouté. Puis même si t'es pas. Même. Ben là, c'est drôle parce que tu m'entends pas parce que tu t'es pas rendu jusque-là. Mais même si tu t'es pas rendu jusque-là, je suis quand même content que t'aies écouté. Yes! Fait que c'est ça. Peace! Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez,
Vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça de dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter. Même si t'écris juste, tu fais un espace, puis tu commentes, c'est parfait. Ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. C'est-tu fait? Allez, fumez une puff. C'est mieux d'être fait quand j'ai fini. Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.